Y'a tout le monde, c'est Naïlik. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 7 de Batman. Alfred, analysez les forces de la milice. Les déploiements, les équipements, les déplacements. Je veux savoir ce que j'affronte. J'effectue une analyse complète des forces d'occupation et je vous fais vite un rapport, monsieur. Donc la dernière fois, on a vu le Joker, la partie précédente. On sait pas si, je sais pas si c'était le vrai Joker ou pas, mais on l'a quand même dit. Ouais, bon. Ouais. Là j'ai envie juste d'avancer dans la mission. Et ouais, la dernière fois on a pu croiser le Joker qui nous a parlé, aidé, on va dire c'est comme ça. C'est vrai que franchement c'est pratique. Enfin pratiquement on nous a juste parlé quelques jours. Tu m'auras pas la prochaine fois. Ah ok, ils sont posés juste à côté de nous. Ah. A chaque fois je tire parce qu'en fait j'essaye d'aller trop vite sur les touches. J'ai tellement hâte de voir la tête qu'il va faire quand tu lui apprendras que sa fille a été enlevée. Et que c'est entièrement ta faute. Ah ok, le Joker en fait on le voit juste, c'est des hallucinations. Je dois y aller, Batman est là. Qu'est-ce qui ne va pas, Jim? Allez, vous me faites peur. C'est Barbara. Elle a été enlevée. Non, je lui ai parlé. Elle a dit qu'elle était partie. Il y a plusieurs heures de ça. Gardez votre calme. Nous allons la ramener. Qui a pris ma petite fille? L'épouvantail. Il l'a enlevée à la tour de l'horloge. On doit y aller. Il y aura peut-être un indice, quelque chose qui nous mènera jusqu'à elle. J'y vais. On reste en contact. Il faudra bien lui dire que c'est ta faute, tôt ou tard, Batou. Et ce qui est super, c'est que je serai aux premières loges quand tu le feras. Ouais. Donc ouais, en Jim, fait, il faut que vous restiez concentré. C'est dangereux là-dehors. Conduisez lentement et laissez-moi gérer en cas de problème. Comment j'ai pu laisser faire ça? Vous n'auriez jamais pu prévoir une chose pareille, Jim. C'est mon boulot de prévoir ce genre de choses. En tant que flic et en tant que père, tout s'est passé sous mes yeux. Par contre, là, la Batmobile, elle avance pas. Droit devant, on a de la compagnie. C'est qui? La milice, je m'en charge. Il est en poursuite. Ici le chevalier d'Arkham. Votre priorité est d'appréhender le commissaire Gordon. Je répète, votre priorité est d'appréhender le commissaire. Je dois rester là. Ils sont toujours là. Ah! Super, on a putain. On a perdu le capitaine. J'arrive vraiment pas à me faire avec ça. Débarrassez-moi d'eux. Chef, on le tient. On a le commissaire. Oh, je suis une grosse merde. Oh, ça fait un Gordon dont t'as plus à te soucier. Au moins, tu n'auras pas besoin de lui dire pour Barbara. Sauf qu'on lui a dit que... Donc, y a un problème, là. Ici le chevalier d'Arkham. Votre priorité est d'appréhender le
commissaire Gordon. Je répète, votre priorité est d'appréhender le commissaire. Je le veux. Je dois rester dans la base mobile et protéger Gordon. Ah. C'est toute la route. Il me tire dessus. Allez. C'est ça, parce qu'il faudrait que j'apprenne à faire des drills. Voilà, comme ça. Non, non, qu'est-ce que c'est? Je dois rester dans la Batmobile et protéger Gordon. Allez! Ils ne veulent pas lâcher. Ça y est, c'était les derniers. La voie est libre. C'est trop dangereux, Jim. Okay. Montez dans la Batmobile. Je vais nous emmener à la tour de l'horloge. Tu vas monter ou pas? Je dois rester dans la Batmobile et protéger Gordon. Ok. Faites en sorte qu'on arrive en un seul morceau. On n'a plus beaucoup de temps. Monsieur, avant d'aller à la tour de l'horloge, j'ai pensé que vous voudriez entendre les résultats de l'analyse des forces du chevalier. Je vous écoute, Alfred. J'ai configuré le bat-ordinateur pour qu'il analyse la présence de la milice sur les trois îles et fournisse une représentation graphique de la force d'occupation de chaque zone. Comme vous pouvez le voir, l'occupation de Miagani Island est majeure, avec un grand nombre de drones au sol pour contrôler les routes. Founders Island est le bastion de la milice. Elle est protégée par des radars longue portée et un lance-missile. Je vous conseille de ne pas vous approcher avec la Batmobile pour le moment. Les unités de drones restantes sur Bleak Island ont été redéployées pour protéger la tour de l'horloge. Attendez-vous à une résistance considérable. Merci, Alfred. Je m'y rends tout de suite. Ok. Sergent. Oui, chef. On a perdu l'unité d'extraction. Reprenez les drones de la tour de l'horloge. Il arrive. Je passe en contrôle manuel. Je l'arrêterai, chef. Cible alpha. Jim, la tour de l'horloge est encerclée. Je vais dégager la zone. Je vous préviendrai quand vous pourrez entrer en risque. Je le contourne. Vous perdez des drones, sergent. Cette chose, quand elle est en mouvement, impossible à verrouiller. Hop là. Tire direct sur le rattleur. Le blindage résiste. Tout à fait. Batman a détruit un drone. Faites-le péter. Plusieurs drones en ligne. Hé, hey, c'était quoi ça? L'IA qui a les capacités de frappe multiple. Pensez plus vite. Rattleur touché. Il est encore d'aplomb. Oui, il reste une deux. Oh. Ouais, c'est le truc, voilà. Voilà. Viens d'avoir l'unité de drone de China. Les troupes de la milice encerclent la tour de l'horloge, Jim. Restez dans la Batmobile. Je vous dirai quand la voie sera libre. Je ne vais pas rester ainsi là pendant que vous traquiez ces salauds. S'il vous plaît, Jim. Barbara ne voudrait pas vous voir risquer votre vie. Je vous appelle à la minute où j'ai terminé. À la seconde. Unité de la tour de l'horloge. Batman
sait qu'on tient son allié. Il se dirige vers vous. Ah oui, c'est logique. Il nous a envoyé une vidéo. Je vais vous dire comment faire. Enfin, tu nous as pas envoyé une vidéo. Ce serait dangereux d'entrer sans neutraliser la milice sur le toit de la tour de l'horloge. Ah, son espèce de tank. Je parie qu'il se prépare à nous tomber dessus. C'est juste un homme. Y'a rien à craindre. Ouais, un homme qui vient de détruire toute une section de tank. Ce serait dangereux d'entrer sans neutraliser la milice sur le toit de la tour de l'horloge. Et à la base. Hop. Tu crois pas qu'on l'aurait su s'ils avaient tué Batman? C'est pas bon ça. Pas bon du tout. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qu'il nous avait là, Batman? Par contre, je perds trop de vie. T'approche pas de la lumière, Bruce. C'est pas juste. Ils me laisseront pas entrer. C'est marrant quand même, le Joker. Évitez de la tour de l'horloge. Batman sait qu'on tient son allié. Il se dirige vers vous. Retenez-le. Ah, qu'est-ce que je fais? Il vient de bousiller nos blindés. Ah non, où est-ce qu'il est? Je sais pas. T'as déjà rencontré le patron? Qui? L'épouvantail? Ah! C'est quoi? Je sais pas! L'air d'être pas là! Il est de ce côté! Venez! J'ai plus de vie. Ouais, mais... Bah, pourquoi? Oh, c'est chiant. Par contre, je gagne pas de XP. Qui va combattre le crime maintenant? Robin? Bon, les a tous eu, enfin. Jim, la zone est sécurisée. Retrouvez-moi à la tour de l'horloge. Impressionnant. L'effet de surprise ne durera pas, Batman. Alors, est-ce que je peux pas améliorer juste la force ou un truc du genre? Augmenter. Tirer à une. Je sais pas quoi améliorer là. Gadget, peut-être. Ouais. Bon, écoutez, si, mais il faut que j'améliore des trucs, donc pourquoi pas utiliser la tenue. Ce sera peut-être plus résistant. Ouais, hop, on va améliorer la tenue. À chaque fois. Par contre, je sais pas où je suis passé là. Faut que j'aille où en fait? Faut que je remonte. Ok. Vous avez tout le temps? Ah oui, ok. Non. Allez, go! Il est là.
encore toi ? Ou c'est un rêve ? Friodis ! Il ressemble un peu. Ouais, c'est ok. Tu vas pas t'évanouir ! Allez, un peu de nerf, que diable ! Attends un peu que ton père soit rentré. Il va devenir fou devant toute cette pagaille. Il est seul. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois pas les laisser comme ça non plus. Qu'est-ce que je dois faire? Je peux pas interagir avec elle, ok. Et quoi est-ce que je dois interagir alors? Ah, ok. Le mur, il est devenu... Super. Bon, je connais rien du tout à l'anglais. Rien de tel que se remémorer le bon vieux temps. Hein, Batou? Et nous voilà aux premières loges pour le grand spectacle. Tu crois pas que ce brave Jim Gordon en a assez bavé? D'abord, un jeune et beau maniaque esquinte sa fille. Et là, il culpabilise pour son enlèvement. Franchement, tu devrais lui dire que c'est ta faute, Batou. Je suis sûr qu'il comprendrait, c'est vrai. C'est pas comme si elle s'était fait refroidir. Enfin, ouais, pas encore. La nuit n'est pas finie. Ok. Ouais, donc en gros, c'était une hallucination, ce qu'on avait vu. Ok, là, ça doit être l'ascenseur. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, est-ce que je dois interagir quelque part? Non. Et je peux pas courir. Super. Là, est-ce que je dois interagir quelque part? Ici, là. Non, mais c'est le siège. Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas votre faute, Jim. Bien sûr que si. Crane a fait ça pour m'atteindre. J'aurais dû être là. Il faut que je vous montre quelque chose. Nous n'avons pas le temps. Elle n'est pas comme nous. Identité confirmée. Elle est forte, Jim. Plus forte que ce que vous croyez. Elle travaille pour vous? Tout ça, c'est de votre faute. Je la retrouverai. C'est ma famille! Ma fille! Elle est tout ce que j'ai! Je n'aurais jamais dû vous faire confiance. Jamais! Je vais me débrouiller seul. Laissez ma famille tranquille. Eh ben super. C'est pas si mal passé, en fin de compte. Oh, moi, j'aurais rien dit, mais ça fait partie du plaisir d'être moi. Et tu es loin d'avoir tout vu, Batou. Ouais, toi, c'est cool que je peux pas te taper parce que t'es énervant un peu. Bon, moi, je vais vous laisser là pour la partie. Je vais sauvegarder. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me ferait vraiment plaisir. Au revoir.